Bonsoir, monsieur. Je suis le directeur du restaurant. Tout va bien? Vous attendez quelqu'un, peut-être? Oui, tout va bien. Et non, j'attends personne. Voilà, on peut aller très bien dîner seul dans un restaurant sans attendre quelqu'un. La preuve, je n'attends personne et je vais très bien. J'ai pas du tout envie de me faire chier avec un con ou une pute en face de moi qui n'a rien à dire. Tout ça pour faire croire aux gens que j'ai une vie qui se partage, que j'ai des choses à dire, que j'ai des choses à écouter. Non. Ah non. Pardon d'avoir l'audace de m'inviter tout seul au restaurant et de passer une bonne soirée. Mais tout à fait. Je vous comprends, je vous crois. Je vous vois. Est-ce que vous allez demander à un couple ou à une famille s'ils vont bien? Non. Vous leur demandez si la bouffe est bonne. Parce que vous partez du principe que eux, entre eux, ils vont bien. Vous n'avez pas l'empathie que vous avez pour moi quand vous me voyez et que vous vous dites « Oh, le pauvre type, c'est triste à son âge de dîner tout seul au restaurant. Hein, » sans vous demander une seule seconde si vous ne m'avez pas interrompu dans mes pensées. Interrompre des gens qui se parlent le soir de ce qu'ils ont bouffé le midi, ça, vous n'osez pas. Mais jouer dans un infirmier avec un type à qui vous avez collé une étiquette de mec qui va pas bien, alors ça vous dérange moins. Je suis désolé de vous avoir donné cette impression, monsieur. Je m'aperçois en effet que vous êtes quelqu'un qui va très bien. Mais bien sûr que je vais très bien. Alors désolé de ne pas éclater de rire tout seul devant une chaise vide pour vous donner l'impression que je vais très, très bien. Mais si c'est ça qui vous rassurait, alors trouvez-moi une chaise drôle, trouvez-moi une chaise qui a de l'humour. Et alors oui, peut-être, je rirai de temps en temps. Alors, pour l'instant, je pense, je bois, je mange, je ne fais semblant de rien. Et désolé encore une fois si ça gâche l'ambiance du restaurant. Ça ne gâche rien du tout, monsieur. J'étais juste venu vers vous dans un élan de sympathie. Moi, je vous réponds sympathiquement que votre sympathie ne m'est pas forcément sympathique. Je n'ai pas à être exclu des gens heureux sous prétexte que je ne suis pas avec ma mère pour son anniversaire, ou patron pour une augmentation, ou avec Bobonne pour fêter nos 10 ans de chienlit commune. Pour l'instant, j'ai fini mon entrée, j'attends mon plat et je suis tout simplement très heureux d'être en vie. Bien. Eh ben, je vais vous laisser à votre petite fête et je vous souhaite une excellente soirée. Elle était déjà excellente sans vos souhaits, il n'y a aucune raison pour que ça se dégrade.